This resolution is a response to the public worries about the safety of the procedures and the legislation that should guarantee the safety of the medical devices. And with the resolution, which is, by the way, supported with unanimity at the ENVI committee, we are giving a strong signal for the Commission to look at all the loopholes and to propose changes in the directive, which will guarantee the liability in cases in which there is a problem and with a certificate or licensing of the companies and devices which are on the market, also the vigilance and the vigilance safeguards that will also provide strong guarantee to people that everything which is on the market as medical devices is good for their health and will not cause any damage. And also it is about the traceability of the medical devices, giving the fact that most of the women don't know whether they have a PIP transplant or any other. And I hope that with this resolution we will be able to have a good piece of legislation which is guaranteeing safety. Moi, je suis très heureuse de ce vote parce qu'il avance sur des points importants. Le premier point, c'est de prévoir une autorisation de mise sur le marché pour les produits les plus risqués. C'est un modèle qui est assez proche de celui du médicament en réalité et qui est absolument indispensable quand on voit ce qui s'est passé. La seconde, c'est de mettre un petit peu d'ordre sur le marché de la certification. Il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour certifier. Le texte que nous avons voté permettra d'avoir des agréments beaucoup plus sérieux. Je dirais qu'au-delà, on voit bien qu'une affaire comme celle-là montre la nécessité d'aller vers des actions collectives qui permettraient à des malades ou à des victimes de pouvoir agir ensemble de manière plus efficace pour que des scandales de ce genre ne se répètent pas.